Bonjour Nathalie, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est ton tour. Oui. Je te présente Emmanuel, donc qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Voilà, et puis on t'écoute pour les points. Allez, tu peux commencer par la santé, hein. Alors, pour les points santé, j'ai beaucoup d'acidité dans le corps qui me provoque des inflammations partout, avec des douleurs. Vertèbre cervicale, dorsale, enfin Attends, partout, tu vas trop vite. lombaire. Donc, inflammation partout. Inflammation, ouais, j'ai mal partout, j'ai mal dans les muscles, dans les articulations, dans les vertèbres, je suis bourrée d'arthrose. Muscle, articulation. J'ai de l'arthrose partout, comme une Vertèbre. personne âgée. Arthrose, d'accord. Et Tu m'as parlé de nuque aussi tout à l'heure, je crois, non? ah oui, partout dans toute la colonne. D'accord, J'ai toute la des colonne. Ok. pincements dans les entre les vertèbres. Ah oui. Des problèmes de peau et surtout mon gros souci, c'est mon estomac. Alors, c'est quoi le problème de peau? J'ai la peau super sèche et puis maintenant je m'amuse à faire des petits, comme, pas des petites verrues, mais je sais pas ce que c'est. Des Des petites flammes. excroissances, on va dire. Oui. Bizarre. Bon, ok. Estomac, j'ai un reflux avec une hernie hiatale. Et puis un reflux de naissance, mais qui est très important, avec des petites lésions. Là, je suis sous traitement là, depuis lundi, puisque j'ai fait une endoscopie Tu parles lundi. de reflux gastrique, tu veux dire? Oui, gros reflux gastrique. D'accord. Depuis ma naissance, Ah oui. j'ai D'accord. donné à mes fils. D'accord. Voilà. Donc je voudrais savoir pourquoi quoi toute cette Ah oui, bien acidité. sûr. Oui, bien sûr. Que franchement ça, au niveau de mon estomac, c'est un gros gros problème. Puis partout quoi. OK. Ensuite, je fais des allergies. À quoi? Fraises, cochons d'Inde, moisissures, acariens, anti-inflammatoires, non stéroïdiens. Et lundi, je leur ai fait un choc allergique aux produits anesthésiants. Je leur ai fait une éruption cutanée, un œdème de Quick, puis une détresse respiratoire. Parce que tu as subi une anesthésie. Oui, j'ai eu une fibrocolo. Ils ont failli me tuer. Ah ouais. J'ai un voile au poumon du coup. Hein. Là, je suis sous traitement. Ah oui, tu as un voile au poumon. Oui, j'ai été obligée d'aller à l'hôpital Et tu veux dire que c'est une mardi. conséquence de l'opération, enfin Ah de... oui, du stress que j'ai fait un bronchospasme. C'est-à-dire des stress respiratoires. Et pour m'intuber, ils n'arrivaient pas à m'intuber. Donc, Oula. ils m'ont fracassé. Je suis coupée dans la gorge, ils m'ont abîmée dans la bouche. Enfin bon, je leur ai fait peur. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu une interférence quelque part? Je ne sais point. OK. Voilà. Alors, depuis 2005, j'ai fait plusieurs dépressions. J'ai fait. De burn-out. Donc, le dernier en 2018, ce qui a provoqué une séparation avec mon mari. Donc, on s'est séparés pendant 10 mois. Il est parti avec une autre. D'accord. Ça fait plaisir. Et donc, ça a été un énorme choc émotionnel. D'accord. Voilà. Donc là, du coup, vous n'êtes plus ensemble alors. Si, il est parti 10 mois, il est revenu. Ah, d'accord. Ok. C'était en 2019, il est revenu en 2020. Ok. Donc, Et ça se difficile. passe, comment maintenant alors? Ça se passe mieux, mais bon, moi j'ai toujours un petit peu, pour pardonner, c'est pas facile. Tu l'as encore un peu de travers, quoi, c'est ça? Ah. Oui, Il y a un 35 petit ans de truc à... mariage, Ouais, bah oui. y a un truc à Ok. nettoyer. Voilà, donc j'ai des problèmes de poids depuis que je connais mon mari.
donc depuis l'âge de 17 ans. Surtout avec une addiction au sucre et chocolat, mais ça dépend des périodes. Sucre et chocolat, alors. Ouais. Ok. Alors, depuis l'âge de 10 ans, j'ai des problèmes de dos. J'ai mal dans le bas du dos et j'ai des problèmes d'entorse aux deux chevilles. Et ça continue. Et j'ai même eu des aponévrosites plantaires, des tendinites aux pieds, parce que ça, j'en fais partout sur le corps, mais c'est sûrement dû à l'acidité. Mais voilà. D'accord. Donc, pour le fameux coco, je ne suis pas vaccinée. J'ai été contaminée deux fois. Et j'ai toujours des essoufflements, de la toux. Et alors, du coup, je ne sais plus si ça vient des allergies, de mon estomac, ou si c'est des suites du Covid, je ne sais pas. Mais bon, là, en plus, lundi, ce qui s'est passé, c'est encore pire, quoi, parce que... J'arrive même plus à tousser. D'accord. Okay. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de colère en moi. Je manque de confiance. J'ai eu beaucoup de peur. Je trouve que c'est mieux maintenant. Je pars au quart de tour. Surtout quand je suis fatiguée. Je ne suis pas toujours très patiente. Je suis très contrôlante. Mais avec moi et avec mon entourage. Et toujours à penser à 100 choses en même temps, ce qui fait que j'ai du mal à lire et que je suis incapable de méditer. Et que je suis très fatiguée tout le temps, beaucoup de fatigue. Ok. Donc, j'ai eu plein de problèmes de santé et tout ça, tout le long de ma vie sur des grossesses et tout, que j'ai fait des fausses couches et tout ça. Et j'ai eu beaucoup de chocs émotionnels et physiques, parce que j'ai fait deux hémorragies, voilà, tout au long de ma vie. Et ça, j'arrive pas à passer par-dessus tout ce qui s'est passé. J'ai 5 nodules à ma thyroïde. Ah, mais t'es encore dans la santé, là. Mais tu m'as dit que t'avais 10 points, du coup, tu m'en mets combien, là? Ah, ben, c'est dans mes points, ça. Ah oui, d'accord. Bon, on est plus, on alors, a je plus vais avoir 10 points, alors. Bon, j'ai 5 nodules sur ma thyroïde. Quelles sont les conséquences? Et un truc, il me manque un bout de crâne et un bout de mandibule, et on ne sait pas pourquoi. Personne ne sait ce qui m'est arrivé petite. Il me manque la tête de la mandibule et un bout de crâne, donc ce qui me donne des problèmes de cervicale. D'accord, ça c'est le côté droit. Hein. Ouais. Bon, personne s'en est rendu compte, sauf moi, sur mes radios. Hein. Ça la fout mal. Ah oui. Je faisais ça en radiologie quand même pendant plus de 25 ans. Ils m'ont fait enlever mes dents de sagesse, alors qu'en fait, il me manquait un bout de crâne et un bout de mandibule. Ouais, dis donc, c'est fou ça. Ah ouais. C'est possible. Eh oui. Alors en fait, si c'était une hanche, on me mettrait une prothèse. Et là, on ne peut pas. Et alors, c'est mou ou comment c'est du coup? En fait, j'ai fait de la kiné pour essayer d'équilibrer ma mâchoire parce que ça me donnait des douleurs dans les oreilles, dans le cou. Donc, en fait, il manque un bout de la tête de la mandibule et le crâne qui est comme rogné. D'accord. Ah, c'est plutôt comme rogné alors, parce que... D'accord. Ça ne peut pas être de naissance. On ne t'a pas dit que ça peut être de naissance, non? Ah non. Mais par contre, j'ai eu un accident de voiture quand j'étais petite. J'étais sur les genoux de ma mère. Mais est-ce que j'ai mangé le tableau de bord? Mais j'avais un an, donc il s'en serait peut-être rendu compte. Si, est-ce que j'ai dû avoir très mal? Et puis le bout de crâne, il serait quelque part quand même, non? Bon, enfin, on verra bien. On verra ce qu'on peut... Voilà. Alors, les points à travailler, donc, quels sont mes liens énergétiques avec mes fils, mon mari? Voilà. Donc, voilà, mon mari a des problèmes de travail en ce moment. Et quand il est là, j'ai l'impression... T'as combien de fils? 4 garçons. Ah, quand même. Ah oui. 4 beaux
et gentil garçon et intelligent et pénible. Non, ils sont adorables. Donc, tu me disais que tu as un problème particulier avec ton mari, alors, par rapport... Ah oui, parce qu'il ne va pas bien en ce moment. Et du coup, quand il est là, moi, il repart le lundi, je suis... Il pompe ton énergie, c'est ça, hein ? Ouais, je pense, ou alors c'est moi qui lui en donne ou c'est lui qui se sert, mais... Tu te sens vidé, quoi ? Ouais. D'accord. Donc, comme tu sais, on ne travaillera pas sur lui, hein, c'est juste oui, je sais. Par rapport à toi, voir ce qui se passe. Hein. Ouais. Bon, quand tu dis quels sont les liens avec tes fils, c'est sûr qu'on ne va pas regarder tes quatre fils pour voir quels sont les liens pour chacun. Non. On n'en finira pas. Hein, donc, non. Hein, on est d'accord. S'il n'y a pas un souci, surtout sur le troisième. Par contre, la question, c'est pourquoi tu te sens pompé oui. Après que ton mari soit venu. Hein. Oui. OK. Ensuite hein. Alors, je suis une enfant non désirée, hein, comme beaucoup, née à 10 mois de grossesse par césarienne, parce que je ne voulais pas sortir. Et quelles conséquences pour moi, tout ça, et je souffrirai du syndrome du jumeau perdu. Est-ce que c'est vrai? Qui c'est qui te dit ça? Trois personnes différentes des thérapeutes. D'accord. Kinésio, okay. Magnétiseur. Et qu'est-ce qui leur fait dire ça alors? C'est quoi le symptôme? J'ai toujours, même quand je suis avec du monde, j'ai l'impression d'être seule. Ah, d'accord. Alors je préfère que tu me dises ça. Et en fait, quand je suis née, mes parents m'ont appelé Frédéric pendant 2 jours, parce que je suis née un samedi, et mon père, quand il allait me déclarer le lundi, il m'a appelé Nathalie. Et en fait, j'ai une kinésio qui m'a dit, mais en fait, ça devait être le prénom du jumeau. Et c'est rigolo, c'est que moi, quand j'étais bébé, j'avais un poupon que j'avais appelé Frédéric. Ah oui, d'accord. OK. C'est bizarre. Bon. Et tous mes deux premiers enfants ont des prénoms en hic aussi. Hein. Comment ? Mes deux premiers garçons ont des prénoms en hic. Et mon mari aussi. D'accord. Alors, donc, j'ai beaucoup de culpabilité par rapport à mes enfants et mon mari, par rapport à mes problèmes de santé, qui ont eu des répercussions sur eux. Voilà. Blocage professionnel, parce que vu que j'ai fait 2 burn-out, maintenant, je ne sais plus quoi faire, ni vers quel domaine me tourner, parce que je crois que le médical, j'en ai fait le tour. Mais le problème, c'est que ça me provoque des crises d'angoisse parce qu'il va bien falloir que je retourne travailler suite à mon déménagement et je n'arrive pas du tout à me projeter dans une activité professionnelle. Ça me rend malade. OK. Voilà. Ah oui. Alors, je me suis toujours demandé ce que je faisais sur Terre parce que depuis toute petite, je me dis que je ne viens pas de là. Donc, et j'ai un lien très fort avec la nature et puis l'eau. Voilà. En 2018, je voudrais savoir si j'ai pas rêvé. Je me suis réveillée la nuit et j'ai vu 2 petits gris au bout de mon lit. Et là, j'ai eu un message d'alerte qu'il fallait pas que j'ouvre les yeux, que je serais en danger. Et du coup, j'ai prié, je me suis rendormie. Et je voudrais savoir si j'ai rêvé ou pas, et aussi savoir ce qu'il voulait et si c'est déjà arrivé d'autres fois. D'accord. Ok. J'ai des messages dans l'oreille gauche qu'on me prévient de décès ou de problèmes par rapport à mes enfants, souvent. Et j'aimerais bien savoir qui me parle, parce que je sais qu'il y a des interférences, donc... D'accord, et les messages, donc, c'est plutôt prédictif, alors. Du genre, va vite voir ton fils, parce que là, il est en danger. Et alors, effectivement, c'est souvent le cas. Le petit, il avait mis un mouchoir sur sa lampe de chevet à la sieste, et le mouchoir était prêt à brûler. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Des choses comme ça, ou le décès de mon père, que je sais un mois et demi avant, de ma nièce, c'est toujours sympa. Ok, bon, on verra ça. Voilà, et j'ai fait du somnambulisme
quand j'étais petite, et ça c'est un truc que je voudrais bien quand même savoir ce qui s'est passé, j'ai fait beaucoup de somnambulisme, mais je quittais la maison de mes parents, je devais avoir 8 ans. Mes parents, ils habitaient le long d'une route et on retrouvait la porte qui était côté route, ouverte le matin. Mmh. Moi, je rangeais toujours mes chaussons parallèles pour être sûre de savoir si je m'étais levée ou pas la nuit. Et en fait, mes chaussons étaient en vrac et la porte de la maison était ouverte. Et en fait, je ne sais pas ce qui a pu se passer la nuit quand je me sauvais. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré au moins 5-6 ans. Ah oui, d'accord. Donc, okay. J'aimerais quand même bien savoir s'il m'est arrivé. Parce que j'ai toujours eu peur par rapport aux agressions sexuelles. J'ai toujours eu cette alerte-là depuis que je suis adolescente. Alors, est-ce que c'est une répercussion d'une vie antérieure ou quoi? Mais, pas de supposition. Tu me donnes seulement l'événement, puis voilà, c'est tout. Hein? Donc, en fait, tu avais du syndrome de l'esprit pendant 5-6 ans. D'accord. Okay. J'ai toujours été très précautionneuse. Voilà, c'est tout. Okay. J'ai réduit ma liste. Alors. Ah oui, parce que j'ai eu. Parce que c'est pas mal de points déjà. Ok. J'ai eu un problème sur le process et ça, ça. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, de toute façon, quand tu vas comprendre, il y a beaucoup de choses qui ont la même origine. Donc, tu verras. Tout ce qui n'a pas été évoqué, hein, tu comprendras leur sens. Je redirai. Voilà. Okay. Bien. Alors, donc, au niveau des invitations, tu m'as parlé de ta maison aussi. Oui, alors ma maison, donc actuellement on est dans la maison des grands-parents de mon mari, en attendant que notre maison soit finie, puisqu'on est en train de rénover une maison dans laquelle on n'a encore pas habité. Voilà. Donc on est dans le même village. Hein. Il se passe des phénomènes, tu m'as dit. Ouais. Voilà. J'ai du monde qui joue la nuit, ils se promènent, ils vont appeler mon fils. Donc là ça s'est calmé et dans l'autre maison, c'était la maison où on va aller habiter, c'était très très lourd dans la maison, et en fait la grand-tante de mon mari qui habitait dedans, elle a eu une vie un petit peu pourrie, on peut le dire. Oui, c'est une maison très ancienne. Oui, le plus vieux bâtiment, je crois que c'est 1789, c'est marqué dessus. Et c'est un ancien presbytère. D'accord. Donc, et là, il se passe des choses dans cette maison? Il se passait que l'ambiance était très lourde. La tante de mon mari n'a jamais pu avoir d'enfant dans cette maison. Et vraiment, on sentait. Moi, je me sentais épiée dans la maison. Effectivement, il y avait du monde. D'accord. Donc, tu y habitais, vous y avez habité alors? Non, mais on fait des travaux. On la connaît. Ah oui, d'accord. Okay. C'était la maison de sa grand-tante et on s'occupait de sa grand-tante, donc la maison, on la connaissait très bien. D'accord. Très chargée en meubles en plus. Alors, au niveau invitation, qui veux-tu inviter? Bon, famille proche, le mari, mes enfants, mes belles-filles, mes petits-enfants, enfin, il y en a un qui a 10 mois et l'autre qui doit arriver demain. S'il a l'heure au rendez-vous de la naissance, c'est pour demain. Ma mère, mes frères et sœurs et leurs descendants. D'accord. Et leur famille, quoi. Voilà. Tous mes neveux et nièces, petits neveux et nièces. Une famille, oui. Famille d'âme. Famille d'âme, d'accord. Donc, les amis et les personnes avec qui j'ai interagi dans ma vie. Ok. Voilà. Et mon chien, Memphis. Ah, il y a un chien. Mon amour. Hein. Comment il s'appelle? Memphis, d'accord. Un golden retriever, c'est une boule de poils d'amour. Un bonheur. Bon, il sera invité pour la douche. Alors, pour les deux incarnés, qui choisis-tu? Alors, ça n'a pas été facile, mais du coup, j'ai pris mon père et ma grand-mère maternelle que je n'ai pas connue. Qui a eu une fin tragique et que j'ai failli faire la même chose.
Donc, je pense que ça ne ferait pas de mal d'être aidé. Grand-mère paternelle, hein ? Maternelle. Ah, la maternelle. Maternelle. Oui. D'accord. La mère de ma mère. Et elle a une fin de quelle manière alors ? Tragique ? Eh bien, en accouchant, elle a fait une hémorragie, elle est morte et le petit est mort le lendemain. D'accord. Et moi, comme toi, tu as fait des hémorragies aussi. Arrivé et j'ai failli faire pareil. D'accord. Bien, eh bien, c'est bon pour toi. Nickel. Je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Alors. Maintenant que tes protections et connexions sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 31 800. Ok. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Nathalie et dis-moi comment tu l'aperçois. Tout son espace énergétique n'est pas homogène. C'est comme feuilleté. Chacun de ses corps subtils et il y a comme des sortes de brisures dans leur structure et l'ensemble fait une sorte d'effet feuilleté. Donc ça vient fragiliser non seulement tout son espace énergétique mais aussi jusque dans la partie physique. Il n'y a pas de stabilité terre, ciel, correct. Hein. Tout est un petit peu... en équilibre instable, comme une image qui serait légèrement instable et avec cet effet feuilleté. Mmh. Il y a plusieurs, ce qui génère aussi cet effet-là, feuilleté, c'est parce qu'il y a différents filets autour d'elle. Et qui viennent la séparer en fait en plusieurs parties, plusieurs zones d'influence qui ont chacune leur fréquence énergétique et qui donc sont en dissonance les unes avec les autres. Donc ça vient comme la fractionner énergétiquement parlant. Et ça vient se répercuter jusque dans la partie physique. Donc ça vient désynchroniser tous ces systèmes de fonctionnement du corps physique. Tout est en léger décalage. Et par conséquent, elle-même est en léger décalage par rapport à la 3D et par rapport aux autres humains, ce qui vient créer un sentiment d'étrangeté ou de décalage par rapport aux humains. Comme si elle n'était pas exactement au même niveau fréquentiel que les autres êtres humains. Elle est parfois comme à cheval entre deux dimensions. En tout cas, c'est instable, il y a une instabilité générale. Il y a une sorte de... En plus, il y a une sorte de système de traçage, comme une sorte de système GPS qui est au niveau de sa nuque. Et qui permet de la retrouver, de la suivre et de la retrouver, où qu'elle soit, où qu'elle aille, non seulement dans l'incarnation présente, mais aussi dans les incarnations précédentes. Mmh. Ces sortes de filets, il y en a un il y en a qui sont plus actifs que d'autres, ou on va dire plus dissonants que d'autres. Hein. Il y en a un qui est au niveau du plexus solaire, dans les plus dissonants. Un au niveau de sa matrice. Un autre qui est plus grand et qui est comme qui grésille au niveau de la cage thoracique. Donc ça vient appuyer. C'est comme une sorte de cage métallique. Qui vient appuyer en haut sur la gorge et en bas au niveau du diaphragme. Donc ça vient exercer comme une pression sur toute sa cage thoracique et son système respiratoire. Est-ce que ça va avec ses problèmes de respiration, de voile et de thyroïde ?
Oui, parce que ça vient fragiliser, en fait, ça vient appuyer sur la physicalité et ça vient fragiliser les organes sur le plan physique. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème au niveau solaire et matrice? C'est comme si elle ne maîtrisait pas, elle ne maîtrise pas les fonctions, ces différentes fonctions. Il y a un fonctionnement autonome, parallèle, tout n'est pas connecté. Mais c'est dans tout son corps, c'est pas seulement dans les systèmes qui viennent d'être cités. Ok. Et ça vient créer des zones de vulnérabilité, de fragilité et de dysfonctionnement. D'accord. Que vois-tu d'autre ? Il y a une sorte d'ancrage artificiel qui a été mis en place, comme une sorte de fil à plomb qui la traverse du chakra coronal, qui passe par tous les chakras principaux et qui redescend encore plus bas que le chakra racine, c'est-à-dire jusqu'en dessous de ses pieds. C'est comme une sorte de fil à plomb qui, à chaque fois, c'est pas fixe, ça vient se rééquilibrer à chaque fois. Ça lui cause quoi comme problème, ça ? Ça lui crée cette sensation de décalage. Enfin, je ne sais pas en fait si c'est la sensation de décalage qui est en amont ou en aval de ce système-là. Parce que ce système-là l'ancre dans la 3D, mais en même temps, elle y est légèrement décalée. Est-ce que ça a à voir avec ça ? Il y a une difficulté d'adaptation à l'incarnation et à la physicalité. Est-ce que ça a à voir avec ces problèmes de cheville, d'entorse, de tendinite ? Oui, parce qu'il y a plus de densité dans la partie basse du corps que dans la partie haute. Donc ça crée une sorte de densité, de lourdeur, mais qui est là pour l'ancrer dans la physicalité, mais que l'élémental du corps physique a du mal à gérer. Donc, ça vient créer des fragilités. Ok. Directement, non, directement sur elle, c'est tout. Alors, qui est derrière tout ça ? Qu'est-ce qui a installé tout ça, alors ? C'est un insectoïde, ce qu'il y a derrière. Quel type ? Se démonte, en arrière. D'accord. Combien tu en comptes, là ? Il y en a 4. Bien. Et alors, une des quatre est plus grosse que les autres, c'est comme si c'était la chef, la responsable. C'est quoi leur objectif alors ? C'est leur intermédiaire, il y a toujours un objectif d'hybridation en arrière-plan, et elle leur sert de mère porteuse en quelque sorte. C'est une base biologique nécessaire en 3D. Donc, il en met souvent des œufs, alors ? Oui. Est-ce que ça va avec les hémorragies qu'elle a eues ? Oui, parce que ça vient créer des vulnérabilités et comme des dommages collatéraux aussi dans l'espace matriciel. D'accord. Depuis combien de temps ? Alors, il n'y a que les mantes ou tu vois d'autres entités ? Il y a des gris qui sont là. Et des gris, hein. Ok. Très bien. Est-ce que ça a à voir avec ceux qu'elle a vus au pied de son lit, là, dont elle a parlé ? Oui, elle n'était pas censée les percevoir. Mais il y a comme une sorte de voile de programmation qui tend à se dissoudre au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Très bien. Qu'est-ce que le somnambulisme dont tu as été sujette étant petite a à voir avec elle ? Oui, c'est en lien direct. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Abduction, c'est elle-même qui va à leur rencontre par programmation. Ça évite d'avoir à procéder à une intervention sur le lieu de vie
où il y aurait risque d'être repérée. Donc, elle est attirée à l'extérieur. Donc, c'est elle qui va à leur rencontre. Et qu'est-ce qui se passe quand elle est attirée à l'extérieur alors ? Ils l'emmènent dans leur vaisseau ou que se passe-t-il ? Oui, oui, il y a étude de, des nouveaux paramètres dans cette incarnation-là et mise en place des dispositifs, ajustement fréquentiel des dispositifs. Et l'abduction, elle est physique ou on parle de sa partie subliminale ou d'autres parties ? Non, pendant ces phases-là, c'est physique. D'accord, il l'emmène physiquement dans le vaisseau. Oui. Bien. Ok, alors depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elle ? La toute première fois, je compte à trois, ton esprit t'amène à la toute première interférence. 1, 2, 3. C'est depuis 14 incarnations qu'elle est en contact avec ces entités-là. Comment ça s'est passé, la toute première fois ? Elles sont intervenues, elles se sont manifestées auprès d'elle pour... c'est en lien avec la maternité. Elles se sont manifestées auprès d'elle pendant une grossesse, vers la fin de la grossesse, qui se présentait comme une grossesse dite à risque. Elles se sont présentées pendant ses rêves. C'est deux qui se sont présentées. Mais pas sous leur apparence insectoïde. Elles se sont présentées comme deux, on va dire, femmes humanoïdes, comme des sortes d'anges, quelque chose comme ça. Bienveillantes, féminines, protectrices, pour l'aider, pour la rassurer, en lui assurant que tout allait bien se passer pour elle, donc au niveau de l'accouchement, à partir du moment où elle acceptait leur aide. Ce qui s'est passé, évidemment. Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé après ? L'accouchement s'est effectivement bien déroulé. Mais c'est comme si c'était secondaire. Hein. C'est-à-dire que l'important était qu'elle ait donné son accord, son consentement. Une fois le consentement acquis, c'est comme si elle l'avait laissé tranquille pendant le reste de l'incarnation. Mais c'est au moment de la désincarnation où elles se sont en quelque sorte rappelées à son bon souvenir, elles se sont représentées de nouveau au moment de la désincarnation. Et à partir de ce moment-là, les incarnations suivantes ont été dirigées. D'accord. Bon, ben voilà. Bon, je suppose que toutes les parties de Nathalie prennent conscience, connaissance de la supercherie. Oui. Parfait. Maintenant, elles sauront comment ça fonctionne dans ce système de la fausse matrice. Alors, donc, elle a eu combien d'existences sur Terre en tant qu'humain dans cette boucle de manifestation du soi supérieur ? Dans cette boucle-là, 57. 57, oui, d'accord. On va aller voir avant qu'elle entre dans la fausse matrice, sous quelle forme tu la vois et où elle est. 1, 2, 3. Elle est humanoïde à polarité féminine. Mais c'est comme, enfin moi je l'aperçois en tout cas semi-transparente. Il y a comme une inconsistance, c'est-à-dire c'est comme s'il n'y avait pas de physicalité. Ah, c'est dû au décalage dimensionnel. Elle est en quelle dimension, là ? En septième dimension. Ah oui. Ok. Et donc, tu la vois sur une planète, une étoile, où est-ce qu'elle est exactement ? C'est la septième dimension d'une planète. Mais c'est pas une planète. C'est pas une planète. Alors c'est une planète de notre système solaire, mais qui n'est pas perçue. Je veux dire, si on prend un télescope, on ne va pas percevoir la planète parce qu'elle n'a pas de 3D. Elle n'a pas de 3D, mais elle n'a pas de ni de 4e ni de 5e D.
Elle commence en sixième. D'accord. Et elle est en septième. Six, sept, huit dimensions. D'accord. Elle s'appelle comment cette planète ? Il y a des lettres qui apparaissent A, K, T, R, I, O. D'accord. Ça semble être comme un... C'est bizarre parce qu'il y a des points entre les lettres, comme un acronyme. Ah, d'accord. Bien. Et elle est située vers des planètes connues ou pas ? Entre Neptune et Uranus, c'est ce qui vient. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète ? C'est quoi ses occupations, ses fonctions Elle ne fait rien en... Ah, on va le laisser terminer. Il lui fait un cauchemar. Il se passe quelque chose ou c'est simplement un cauchemar, Emmanuel ? Non, rien de particulier. Non, d'accord. C'est pas une agression ? Non. D'accord. Donc, entre Neptune et Uranus, hein ? Oui. Alors, qu'est-ce Elle n'y fait rien de particulier sur ce lieu-là. Elle se contente de se laisser... bercée, entraînée par le courant. Elle est dans une sorte de cascade, c'est son lieu de résidence. Ah oui. Elle vit dans la cascade. C'est une sorte de lieu, c'est dans la forêt, il y a une sorte de clairière avec une cascade, beaucoup de végétation, mais type végétation de forêt tropicale. Et elle réside là, dans la cascade, ou autour. Elle est toujours dans ce lieu-là. D'accord, elle s'y sent bien. Elle ressemble à quoi ? Humanoïde, féminine, mais semi-transparente. Et parfois, en tout cas telle que je l'aperçois là maintenant, elle se confond avec l'eau, c'est-à-dire que quand elle passe sous la cascade, elle devient imperceptible. Elle ressemblerait à des esprits de nature ou pas ? Oui, quelque chose comme ça, mais c'est encore différent des esprits de la nature qui sont dans l'espace terrestre. Très bien. C'est la raison pour laquelle elle se sent en affinité avec la nature ? Oui, parce qu'il y a des correspondances... Il y a des mémoires, c'est ça ? Il y a des correspondances et des similitudes qui activent des réminiscences de mémoire. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette forme d'existence pour qu'elle se retrouve en incarnation sur Terre ? Les portes dimensionnelles se sont ouvertes, mais c'est quelque chose de naturel et c'est lié à des cycles naturels. Lors de ces cycles-là, qui reviennent régulièrement, les portes s'ouvrent, ce qui génère comme des vents violents, énergétiques, déstabilisants. Et là, elle s'est fait emporter par ces vents violents. C'était une fois où elle s'était éloignée de ce lieu-là, puisqu'elle reste normalement, habituellement, toujours dans cette cascade ou à proximité proche. Mais parfois, quand même, elle s'éloigne. Pas tellement en termes de distance, mais en termes de fréquence. Il y a parfois des éloignements par curiosité et envie de découverte de ce qui se passe ailleurs de son lieu de résidence habituel. Sauf que là, lors d'un de ses déplacements hors de son lieu fréquentiel habituel, il y a eu une ouverture donc, de porte fréquentielle avec ces vents énergétiques violents.
Et elle a été littéralement emportée, éjectée, et sans pouvoir revenir à son lieu d'origine. Elle s'est retrouvée où ? Elle est autour de la planète, comme une sorte de satellite autour de la planète, sans pouvoir retrouver, les portes se sont refermées, sans pouvoir retrouver le chemin, en quelque sorte, pour pouvoir retrouver son point d'origine. Elle est à ce moment-là en état de grande vulnérabilité, avec perte d'énergie. Ces cercles, comme autour de sa planète d'origine, commencent à s'agrandir. Et puis elle se laisse emporter par les courants. Elle commence à dériver. Elle commence à dériver dans notre système solaire. L'image, ça serait comme le plancton qui se laisse porter par les courants des océans, quelque chose comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de maîtrise sur ses déplacements. Il y a une sorte de sensation d'être perdue, d'être entraînée malgré elle, et sans pouvoir retrouver son lieu d'origine. Mais dans ces déplacements où elle est entraînée par ses courants malgré elle, il y a un moment donné où elle se retrouve à proximité de la matrice artificielle terrestre et où elle est aimantée, aspirée et intégrée. C'est une énergie, son énergie, elle a avec d'autres qui sont aspirés pour venir renforcer la structure de la matrice artificielle terrestre. Mais comme elle a une essence individuelle, une conscience individuelle, elle est récupérée dans les roues d'incarnation humaine. D'accord. J'aimerais qu'on revienne à cet événement où elle se retrouve comme un satellite autour de sa planète sans pouvoir retrouver son chemin. Je suppose qu'émotionnellement, elle ressent des sensations. Oui, ça a créé une sorte de détresse, de sensation de rejet, d'abandon, mais aussi de colère et de culpabilité pour n'avoir pas su anticiper ce qui allait se passer. Oui. Et il y a une sorte de regret aussi, de nostalgie de ce qu'on pourrait appeler le paradis perdu, mais aussi le fait de s'en vouloir à elle-même. Donc, culpabilité associée à une sorte de sensation d'être rejetée sur le côté, décalée, sans pouvoir réintégrer son milieu d'origine. Est-ce qu'on retrouve ces émotions au cours de ces incarnations, et en particulier aujourd'hui dans la sienne ? Est-ce que ça oui, a une influence ? En partie, ça influence, oui, ces émotions et ressentis actuels, oui. D'accord. Ok. Donc, c'est des mémoires qu'on va devoir nettoyer. Oui. Très bien. Mais je suppose que c'est de là que tout découle, donc ces vulnérabilités et ce qui permet ensuite des prédations. Oui. Hein? Ça a été les premières causes de vulnérabilité. Ce sont les failles qui permettent les prédations. C'est comme des zones d'accroche. On va dire ces failles originelles. Oui. Parfait. Alors, tu reviens ici et maintenant ? Oui. Si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues ? Non, pas pour l'instant. Alors, identifie-la, regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. Est-ce que tu vois qu'une partie de son ADN a été importé ou trafiqué? Oui, une petite partie pour stabiliser l'accroche, pour stabiliser le collage d'ADN différents, d'origines différentes. Il y a entre 1 et 1,5% qui a été modifié. D'accord. Bien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui.
Alors, puisque nous avons cette ambition, en son nom, nous allons pouvoir convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elles, jusqu'au plan archiabélique, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part Saint-Mont et ses gris, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui tournent autour d'elle et qui entrent et qui sortent de son espace énergétique, puisqu'il est, il a ses zones de vulnérabilité qui laissent des ouvertures. Mmh. Il y a des désincarnés aussi qui sont dans cette bande de fréquence. Et puis en arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Est-ce que tu as des parasites à l'intérieur sur et autour d'elle? Oui, au niveau du système digestif, il y a comme une sorte de... Ça se présente comme une sorte de fumée gluante, blanche ou blanchâtre, qui n'a pas de forme clairement définie. C'est pour ça que je la décris comme forme de fumée, mmh. Parce que ça vient se déployer et tapisser... ça vient se constituer dans une sorte de tapis là, tout le long de son système digestif. Et quel rôle ça joue? Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Ça empêche son système digestif de fonctionner correctement. Ça crée des blocages, des dysfonctionnements. Alors non seulement dans le fonctionnement mécanique, mais aussi au niveau du système endocrinien, c'est-à-dire que toutes les informations biologiques ne sont pas transmises de façon claire, nette et régulière au niveau du système digestif. Ok, donc ça a à voir avec ces reflux d'estomac, par exemple, c'était un médical. Entre autres, oui. D'accord. Bien. Tu vois d'autres parasites ou pas? Non. Alors, elle exprime à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute ligne de temps, par toutes les bulles, donc toutes ces bulles de création, toute fréquence, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans les différents plis et replis des espaces-temps, les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archiabélique, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Nous plaçons Nathalie dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se rééquilibre, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Nathalie à présent? Il y a une, comme une, ça s'est restructuré dans son espace énergétique. Donc c'est plus léger, plus régulier, calme et structuré. Bien. J'aimerais savoir comment réagissent ces entités au vu de ce que nous sommes en train de faire. Il y a une sorte de mécontentement lié à de la colère, mmh, qui se manifeste. Normal. Et il y a comme des... Il y a des bruits de cliquetis métalliques, il y a des portes qui se ferment. Et comme une sorte de voile opaque qui se déploie.
Bien, alors déjà, on va tout figer, tout bloquer. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Tout d'abord, regarde si elles sont intervenues dans notre bulle de création à tous les deux. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est par rapport à cette sorte de voile qui se déploie opaque. Mmh. Qui est destinée à quoi? À empêcher le déroulement correct de ce que nous sommes en train de faire. Elles sont intervenues sur plusieurs lignes de temps? Oui. Combien tu en comptes? 3. Est-ce qu'elles sont intervenues d'une autre manière également? Non. Bien. Alors, si tu reviens sur Nathalie, donc, qu'est-ce qu'elles ont fait sur elle? Il y a ces cliquetis métalliques. Ça lui bloque ses lignes de temps à elle. Combien tu en comptes? 8. Très bien. Est-ce que tu vois qu'elles sont intervenues sur d'autres plans? Non. À quoi sont destinées ces cliquetis métalliques? C'est quoi l'objectif? Ça ferme les portes. Très bien. C'est pour lui signaler que les portes se ferment. Alors, nous allons nous-mêmes ouvrir une porte. Voilà. Et on va tout virer. Tu me dis quand tu es prête? C'est bon. Allez, 1, 2, 3, on vire tout. Oui. Tu refermes la porte et tu l'effaces totalement. Oui. Alors regarde dans nos deux bulles de réalité s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Ok, alors on élimine sur tous les plans. 1, 2, 3, depuis leur propre source. C'est fait. Il reste autre chose? Non. Pas de réminiscence? Non, pas nous concernant. Très bien. Alors, tu viens sur Nathalie. Regarde si pour elle, il reste quelque chose. Ah oui, il y a des échos et des résonances. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Et là, il en reste quelque chose. Il y a des réminiscences. Alors, on élimine également. 1, 2, 3. C'est fait. Et plus finement, tu vois encore autre chose? Non. Bien. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel, en observation. Bien. Comment tu vois son âme? Elle est en arrière-plan et repliée dans l'attente que quelque chose se passe. Et sa partie subliminale? Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être impactée par les interférences. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans une unité et donc une intégration et une harmonie parfaite et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace moronciel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Nathalie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans l'unité, dans un équilibre et une harmonie parfaite et l'amour qu'elle est. Est-ce que ça lui convient? Oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Nathalie. C'est se poser tranquillement dans l'incarnation afin de pouvoir expanser sa conscience et ses perceptions. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%. Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu m'indiques quelles sont les anomalies que tu y vois.
une sorte de filet qui émet des fréquences dissonantes qui vient se resserrer autour de l'arbre généalogique. Ça vient impacter plus ou moins les consciences reliées à cet arbre, suivant si les consciences se trouvent sur une des mailles du filet ou entre deux mailles. Ça vient impacter les consciences d'un point de vue énergétique et même jusqu'au plan physique. Ça amène des vulnérabilités. Donc, plus ou moins, suivant là où les consciences sont placées. Bien. Alors, si on s'intéresse spécialement à Nathalie, donc, en quoi ça l'impacte ? Elle est impactée sur tous les plans. Énergétique, mental, émotionnel et physique. Bien. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Je compte à trois et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière là ? 61. 61 générations. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a mise en place, déploiement de cette sorte de filet dès la sortie des roues d'incarnation autour de l'arbre. Et qui est derrière ça ? Des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un instant où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré ? Oui. Alors, tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui montres ce qui pourrait survenir si rien n'est fait. Et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Une montée en fréquence haute, puissante et soudaine qui génère un changement de plan qui le rend indétectable à ces entités-là. Bien, nous allons compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées ? C'est beaucoup plus fluide et léger. L'énergie recommence à circuler. Tout se connecte. Tout se met en place. Brillant, lumineux, fluide et rapide. J'ai toutes les consciences rattachées à l'arbre. Regarde comment ça impacte spécialement Nathalie. Ça lui apporte un nouvel équilibre énergétique. Et ça vient impacter toutes les parties d'elle-même, des plus subtiles aux plus physiques. Très bien. Alors, donc, tu l'invites à enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Demande-lui que veut-elle faire avec son arbre maintenant. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement ? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Elle le coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Tu me dis quand c'est fait ? C'est fait. Bien. Maintenant, on va regarder son ADN. Donc, on va tout d'abord éliminer ce pourcent, 1%, 1,5% d'ADN qui lui est étranger. C'est adéquat pour toi ? Oui. Alors, on élimine tout avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et recollectif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, elle va le remplacer par son propre ADN, sa propre essence déjà, pour ne pas laisser d'espace. Et maintenant, on va lui demander ce qu'elle compte faire avec son ADN. Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement ? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus donc, adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu y vois d'hélices ? Combien sont connectées et combien sont activées ?
Il y en a 6 connectés et 4 activés. Elle peut activer des autres ? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes qui viennent consolider et apporter des facultés d'adaptation et renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien, on va s'occuper des programmes archontiques et des programmes de l'intelligence artificielle, des programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation humaine, son expansion et bien sûr de toutes ces autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça ? Oui. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source ? 83%. Donc elle monte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, à la voix de l'amour, dans le ventre maternel et dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Donc, dans toutes les boucles, toutes les vies, et sur tous les plans. Elle déclare, je déclare officiellement, non, pardon, que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Que tout soit donc effacé et annulé. Oui. Voilà. Et pour accélérer le processus de matérialisation, de manifestation de ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris sur l'arbre généalogique et pour toutes les consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les informations et les énergies sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà, je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais on y arrive. Donc, je vais conseiller à Nathalie d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations, puisque ça demande une participation pleine et active de ta conscience, hein, de ton intention, etc. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes, donc à partir de maintenant, sachant que pour elles aussi, c'est agissant, si elles en ont le désir, l'intention et l'attention, et surtout la conviction. Bien, rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Rompre avec les lois matricielles et archaïdiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous allons procéder à l'effacement de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans.
1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Je t'invite à regarder s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Oui. C'est comme des plaques, tu sais, les plaques pour les microscopes. Oui. Oui. Bon, c'est souvent le cas avec les mentes. Hein. Mm. Donc, c'est quoi? C'est de l'ADN qui a été prélevé ou des informations de sa signature énergétique? C'est les deux. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Il regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Parfait. Alors, nous intégrons tout cela dans ces différents états de conscience. C'est fait. Nathalie déclare « Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. » Oui. Elle rajoute « J'exige et j'ordonne, hein, là elle fait preuve d'autorité, hein, c'est le retour de son autorité, à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives, connus et inconnus. Oui. Nous allons aborder à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Nathalie, tout y est proposé et elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, humaine ou autre. Donc, le « je » dans la forme, ou pas, humaine ou pas, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière donc, qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures
afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance et de tout ce que j'envie. Oui. Parce que je mérite le meilleur et je mérite tout. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je sais maintenant que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. « Je me pardonne totalement en tout et pour tout. » Oui. « Et je pardonne totalement à tous et pour tous sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales dans toutes les vies, toutes les boucles, toutes les couches. » C'est l'absolution totale pour moi et pour tout le monde. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Et je sais aussi que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme. Ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune de ses molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double muscat activé. Ça devrait lui plaire. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique, en dehors bien sûr de ses propres champs naturels.
Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature et l'origine. Oui. Donc, je pense aussi aux produits anesthésiques, tout ça. Hein. Enfin, bref. Donc, un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et donc indestructibles. Oui. Tout en étant adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. Oui. Donc là, je précise, l'arbre de, enfin tout ça, c'est se connecter en fait aux formes géométriques originelles. Hein. Voilà. En tout cas, qui correspond à nos lois matricielles de cet univers. Pas de la fausse matrice, de la vraie. Hein. Je précise comme ça parce que c'est vrai que je n'ai jamais expliqué vraiment ce que c'est que la fleur de vie, graine de vie. Donc, c'est le schéma originel d'où part toute forme géométrique. Et donc, c'est en vue de recréer des formes originelles, c'est-à-dire non distorsionnées par le système de la fausse matrice. Voilà, ce sera dit. Donc maintenant, on en était... Ah oui, donc elle installe et active son code de vie. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, on va travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc, je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans pour chacune des parties. Donc, comme précité, 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la, donc, et à la source, bien sûr. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, bleue, rosée et dorée, qui monte, qui s'expanse, qui vient englober tout son espace physique et énergétique, qui vient se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient se placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et dégager hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source jusqu'au chakra coronal. Ah oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Ah oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui.
que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça vient générer des vibrations, des résonances dans chacun de ces systèmes, organes jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ces muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Bien. Attends. Donc, je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Organe. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Ça a été fait. Ça a été fait. Très bien. Et non, je préfère que tu le refasses parce que justement, je vais effacer. C'était pas dans la chronologie, donc tu peux le faire ? Oui, si tu veux. Mais a priori, la chronologie n'a aucune importance. Bon, bah, alors laisse tomber. Je vais y laisser comme ça. Très bien. Moi, j'aime bien. Alors maintenant, donc, la micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance. Et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, c'est le système des chakras et des glandes associées. Il faut tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Que les chakras principaux soient donc au sein de chacun des chakras principaux, on installe fleur de vie,
graines de vie et double les muscates activées. C'est fait. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 hein, activés. Bien. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Et donc, stabilise, sécurise et pérennise. Ah, c'est fait. Parfait. Bon, je ne sais pas si c'est l'énergie en présence ou quoi, mais j'ai tendance à partir plus vite que la musique. Mais bon, le travail se fait quand même. Hein. C'est pas grave, on ne peut qu'en rire. Alors maintenant, on va travailler sur les 5 éléments, donc l'harmonisation, rééquilibrage. Mm-hmm. Oui. C'est bon pour toi? Oui. Alors, on va commencer par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Et maintenant, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche l'expression, le ressenti et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, programmation 1, 2, 3. Oui. Elle rééquilibre ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bon, j'y suis arrivé. Allez, on va prendre sa liste pendant que son élémental continue le travail. Donc, il s'agit, je le rappelle, de l'enseigne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Alors, donc, on va déjà regarder globalement dans tous ses corps physiques et énergétiques toutes les blessures, les traumatismes, les habitudes de fonctionnement, les programmations, etc., etc., jusqu'aux échos et résonances. Quand tu as tout rassemblé, tu me dis. C'est bon. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties concernées soit donc reconnectée, réinformée et stabilisée. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité par son élémental. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Voilà, un équilibrage et des synchronisations générales. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, je veux que tu vois, que tu regardes son système neuronal et nerveux central. Comment les vois-tu? Il y a des dissonances, c'est instable. C'est parce qu'il y a des restes d'empreintes avec leurs échos et des résonances. C'est des empreintes traumatiques qui sont là, avec leur mémoire associée, et aussi des programmes de fonctionnement, d'adaptation pour pouvoir fonctionner quand même, hein, avec leurs échos et résonances. Bien. Donc, il y en a là localisé. On va faire l'inventaire de tout ou partout où tu en trouves, dans la physicalité et dans tous les corps subtils. On va tout éliminer d'un coup. Ce sera toujours ça de fait. Oui. Allez, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est bon. Voilà. Donc, en ce qui concerne le système neuronal et nerveux central, on va recréer. Il y a des reconnexions à faire, je suppose? Oui. Hein? Alors, reconnecte et réinforme. C'est fait. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Des rééquilibrages et synchronisations. C'est fait. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. Tu vois autre chose à faire? Un apport d'énergie vitale spécifique. Allons-y. C'est fait. Vois-tu autre chose? Non, c'est correct. Alors, tu vas regarder l'équilibre du cerveau droit et gauche. Là, il y a quelques équilibrages à finaliser. C'est bon. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Regarde maintenant son système endocrinien, donc immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu? Il y a des reconnexions à faire. Il y a comme des sortes de décalages et de zones blanches.
des reconnexions, réinformations, rééquilibrage. Rien à éliminer ? Ces zones blanches. D'accord. Ben, on ne les élimine pas, on va les réinformer. Oui. Donc déjà, on fait les reconnexions. Oui. Réinformation. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibrage et synchronisation. C'est fait. Vois-tu quelque chose de spécifique à faire ? C'est correct maintenant. Alors, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Donc, on va regarder sa glande pinéale qui est en train de travailler avec ce qu'on est en train de faire. Simplement, la production de la valentonine, qui, je le rappelle, régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et tous les processus d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises à quel pourcentage donc tu la vois en production. 51%. Donc, tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Bien. On va regarder les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Oui. Là, il y a des reconnexions, des rééquilibrages à faire aussi. Ok. Donc d'abord, pour chacun des canaux... Ils sont désynchronisés aussi, les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc d'abord, chacun des canaux et après, on synchronise de tout. Oui. Alors, pour chacun, déjà, il y a des reconnexions à faire ? Oui. Allons-y. C'est fait. Réinformation ? Oui. Idem ? C'est fait. Apport d'énergie, vitalité ? Oui. C'est fait. Rééquilibrage et synchronisation ? C'est fait. Voilà. Donc, tout est synchronisé ? Maintenant, oui. Est-ce que tu vois autre chose à faire ? Non, c'est correct. Donc, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, je veux que tu regardes ton système ORL et visuel. L'énergie y circule de façon irrégulière. Des reconnexions, réinformations à faire. Ok, alors allons-y. C'est fait. Apport d'énergie, vitalité ? Oui. Allons-y. C'est fait. Rééquilibrage, synchronisation ? Oui. Allons-y également. C'est fait. Autre chose ? C'est correct maintenant. Alors, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et maintenant, le système digestif et métabolique. Là, c'est comme s'il y avait plusieurs circuits d'énergie en parallèle, mais c'est complètement désorganisé. Ça s'arrête. Il y a comme des sortes de fractures dans la circulation d'énergie, puis ça reprend plus loin. Donc, ça crée des dysfonctionnements. D'accord. Quand tu dis qu'il y a plusieurs circuits parallèles, est-ce que tu veux dire qu'il y en a qu'il faut éliminer ? Non. Parce qu'une fois synchronisé, ça va être un seul et même circuit. Si on en élimine, il y aura un déficit en énergie. Donc, c'est le même circuit qui est morcelé, quoi, en gros. C'est ça, oui. Ah, d'accord. Ok. Tu vois des choses à éliminer ou pas ? Il reste quelques habitudes de fonctionnement adaptatives, avec des mémoires traumatiques qui restent encore là, et leurs échos et résonances. Est-ce que tu vois qu'il reste des résidus de ce parasite ? Oui, il en reste des traces. C'est comme quelque chose de gluant qui reste accroché aux parois. Les mémoires, en tout cas, puisque les parasites ne sont plus là. Mais il y a les mémoires des points d'accroche qui sont toujours là à éliminer. Alors, on élimine tout, donc avec les échos et les résonances, partout où ça se trouve, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, que toutes les parties concernées soient réinformées et stabilisées. Oui. Il y a des reconnexions à faire ? Oui, des reconnexions, réinformations, réalignements.
Donc, reconnexion, allons-y. C'est fait. Les réinformations, c'est fait. Oui. Donc, réalignement. Apport d'énergie, vitalité d'abord. Oui, c'est fait. Alignement. Oui. Équilibrage et synchronisation. Oui, c'est bon. Allons-y, très bien. Autre chose? Non, c'est correct. Donc, tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Voilà, donc on prend ces points. Acidité dans le corps, inflammation partout, les muscles, l'articulation, vertèbres, arthrose, nuque, etc. Donc, est-ce que ça a été réglé ou pas? Oui, ça a été réglé, tout est rééquilibré maintenant. Très bien. Tu vois rien à faire de particulier, spécifique? Par rapport au système acido-basique, il faudrait serrer, équilibrer, mais ce nouvel équilibre reste fragile. Il faut faire un apport d'énergie vitale pour pérenniser ce nouvel équilibre. Pourquoi ça reste fragile? Ça vient juste de démarrer, c'est comme un moteur de voiture qui n'a pas roulé depuis très longtemps et qui ça capote un petit peu au démarrage. D'accord, bon, vas-y, fais ce qu'il faut. Un apport d'énergie vitale spécifique pour le soutenir et l'équilibrer. D'accord. C'est fait. Voilà, et puis on va inviter son élémental donc à faire ce qu'il faut pour toutes les parties, désinflammation, des muscles, articulation, vertèbres, arthrose, nuque, etc. Hein, partout, il fait le point. Il envoie également un baume donc apaisant pour toutes les inflammations. Et il fait ce qu'il faut pour tout rééquilibrer, tout remettre en ordre. Ah oui, c'est fait. Parfait. Problème de peau sèche avec des excroissances qui poussent un peu comme des verrues. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des conséquences de déséquilibre énergétique créé par les dispositifs qu'elle avait sur elle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire pour la sécheresse de la peau? On peut y mettre de l'eau primordiale? Oui, du baume primordial, un baume apaisant aussi. Oui, allons-y. C'est fait. Donc, on invite l'élémental à dissoudre les excroissances et à tout régulariser. Oui. Et stimuler les glandes donc, qui sont responsables de, on va dire, de l'eau. Hein, de production. C'est bien, ça s'est équilibré maintenant. Très bien, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien, autre point, le reflux de l'estomac, hernie hiatale depuis sa naissance. Hein. Voilà, et dont son fils a aussi a la même chose. Donc, est-ce que tu vois que c'est réglé? On a vu de quoi c'était. Est-ce que tu as d'autres causes? Tu vois d'autres causes? Est-ce que c'est réglé? Non, c'est réglé maintenant. C'était cette sorte de parasite hein, qui s'étendait tout le long du système digestif. Bien, il n'y a pas d'intervention spécifique à faire? Non, ça a été fait déjà. Bien. Allergies, fraises, cochons d'Inde, moisissures, acariens, etc., etc. Voilà, et même produits anesthésiques. À quoi séduisent ces allergies? Une conséquence directe des systèmes d'interférence sur elle. C'est venu fragiliser tout son système de décodage intérieur, extérieur, et de décodage et d'identification de ce qui est bénéfique ou néfaste pour le corps physique. C'est venu créer une sorte de brouillage dans ce système de décodage. Bien. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Il y a des morceaux de réinformation, d'informations manquants. Donc, il faut reconnecter, réinformer et stabiliser cette réinformation. Il n'y a pas des habitudes de fonctionnement, il n'y a pas des programmations et autres? S'il y a des programmations de réaction, c'est des réactions qui sont déséquilibrées et inappropriées. Alors, on élimine déjà ça avec les échos, les résonances. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, réinformation et peut-être de reconnexion éventuellement. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui.
équilibrage et synchronisation. Oui. Autre chose ? Non, c'est correct maintenant. Ah bien, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Donc, le stress respiratoire, donc avec voile au poumon, voilà, lorsqu'elle a eu son opération. En tout cas, est-ce que c'est réglé là maintenant ? Il reste encore quelques mémoires traumatiques flottantes avec écho et résonance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait vécu cette situation de cette manière ? Lorsqu'ils ont voulu intervenir dans ses voies respiratoires. C'est le dispositif qu'elle avait sur elle qui empêchait que tout se passe correctement sur le plan physique. D'accord. Donc c'est des conséquences uniquement des dispositifs. Ok. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Tu vois des choses à reconnecter, réinformer ? Oui, reconnexion, réinformation, rééquilibrage. Allons-y. Tu me dis quand tout est fait. C'est fait maintenant. On peut mettre un apport d'énergie et de vitalité et de synchroniser. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà, donc cet événement de séparation, de dépression suite à la séparation avec son mari, voilà, qui est dans les conditions qu'elle a évoquées. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cet événement ? Ça a été provoqué par un facteur extérieur ou pas ? Oui, il y avait une intention, mais cette intention, elle vient des mantes, de l'isoler. De créer des distorsions énergétiques donc en elle et autour d'elle pour la maintenir dans un état de basse fréquence, de l'isoler et d'éloigner d'elle tout ce qui pouvait représenter un soutien. Donc le fait que son mari soit revenu, ça a perturbé leur plan, c'est ça ? C'était pas prévu même en fait qu'il revienne. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a eu comme, un sursaut, comme une sorte d'éclair, mais le concernant lui. Un sursaut de conscience ? C'est ça. Et c'est lui qui a opéré le changement de ligne de temps. D'accord. Ok. Bon, est-ce qu'il reste quelque chose de ces événements donc, en ce qui concerne Nathalie ? Ah oui, il en reste des empreintes traumatiques hein, avec leur mémoire, écho et résonance. Très bien. Alors, on élimine ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Et en ce qui concerne le pardon, ça a été fait tout à l'heure. Donc, on ne va pas y revenir. Je suppose que c'est complet là ? Oui. Bien. Alors, elle a des problèmes de poids depuis qu'elle a rencontré son mari, donc addiction au sucre et au chocolat, de temps en temps, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y avait un premier équilibre qui avait été mis en place par les entités interférentes dans sa physicalité et la rencontre amoureuse est venue déranger, déplacer les bases de cet équilibre-là. Donc sa physicalité à elle n'a pas réussi depuis à retrouver une base équilibrée. D'accord. Alors, donc tu parles d'un équilibre qui avait été installé par aimante, c'est ça ? Oui. Hein, ça a été perturbé et du coup ça a tout désorganisé en elle ? C'est ça. Oui. Et elle n'a pas réussi à retrouver un équilibre, alors que dans une rencontre amoureuse, c'était censé être heureuse et tu es censé être, on va dire, en énergie haute. Oui, mais ça n'était pas possible en raison des interférences qui prennent de la place d'un point de vue énergétique et qui viennent repousser et redéplacer toute tentative d'équilibre. Par l'élémental de son corps physique.
Bien, c'était pour que ce soit bien compris, hein. Donc l'addiction au sucre et chocolat, c'était une conséquence de quoi alors? Ça, c'est les parasites. Ah, d'accord, ok. Alors, est-ce qu'il en reste quelque chose de cette addiction? Est-ce que tu vois inscrites des programmations, des habitudes de fonctionnement ou autre chose? Il reste des habitudes de fonctionnement et ouais, des programmations aussi de fonctionnement qui sont inactives maintenant, mais qui sont toujours là, avec leurs échos et résonances. Allez, on élimine tout partout où ça se trouve, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et là, pour accélérer le processus, ça va prendre conscience de sa connexion avec la source pour faire descendre les énergies et les informations, en particulier les sentiments de paix, de tranquillité, de complétude. Oui. Voilà, sentiment d'estime de soi, de bien-être. Oui. Voilà. Et elle aspire l'énergie de tout ce qu'elle croyait manquer. Être en contact avec tout ça et se nourrir, se remplir. Oui. À commencer par l'amour qu'elle est. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Apaisée, stable, équilibrée et sereine. Bien. Alors, stabilise, sécurise et pérennise tout ça. Oui. Très bien. Problème au bas du dos, entorse de cheville, tendinite, etc. Donc, c'est les mêmes causes que ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, décalage de densité, trop de densité dans la partie basse du corps. Est-ce qu'il en reste quelque chose ou est-ce que tout a été travaillé? Tout a été travaillé tout à l'heure. Très bien. Donc, on peut apporter un afflux d'énergie en ce qui concerne les pieds, les chevilles, tout ça, hein? Et puis d'ailleurs, on va faire l'inventaire de toutes les parties qui ont été impactées. Envoie de l'énergie, d'énergie équilibrante. Oui, c'est bien soutenu. Et pour présent pour toutes les parties qu'il nécessite. Oui. Voilà, hein, un équilibrage général et synchronisation. C'est fait. Parfait. Voilà, beaucoup de colère, manque de confiance en soi, pas patiente, contrôlante, pas au quart de tour. Donc tout ça, c'est des conséquences. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? C'est des conséquences des interférences. Et c'est des réactivations de ces failles initiales qui deviennent de plus en plus, qui s'élargissent en fait, qui deviennent de plus en plus grandes au fur et à mesure des incarnations sous l'influence des entités interférentes. Très bien. Alors, ce qu'on va faire dès maintenant, ces fameuses failles originelles qu'on a eues en début de séance, on va les éliminer. D'accord? Oui. Donc, tu fais l'inventaire de partout où tu les trouves, toutes les failles originelles donc, que tu as décrites tout à l'heure. Oui. Voilà. On va toutes les éliminer avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, etc. On élimine tout. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Donc, quelles conséquences tu vois là, l'élimination de tout ça? Il y a un nouvel équilibre qui se met en place. Tout vient se restructurer. Son corps émotionnel vient se replacer naturellement dans un nouvel équilibre. Très bien. Et ça va s'affiner avec ce qui va être fait tout à l'heure. Donc, il y a eu des chocs émotionnels et physiques. Bon, ben, tout ça, c'est éliminé, les chocs? Oui. Très bien. Nodule à thyroïde, est-ce que tu vois que ça a été éliminé avec ce qu'on a fait tout à l'heure? Est-ce que c'est travaillé ou pas? Oui, ça a été travaillé tout à l'heure. Ok. Donc, on invite l'élémentaire à dissoudre les nodules, hein, spécifiquement, avec un apport d'énergie vitalité. Oui. Alors, ce fameux manque de bout de crâne et de tête de mandibule, là par contre, j'aimerais que tu regardes ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de naissance ou qu'est-ce qui s'est passé là? C'est dans l'enfance, c'est lors d'un de ces déplacements physiques la nuit, quand elle allait les rejoindre. Oui, il s'est passé quoi? C'est les suites d'une,
ce qu'on pourrait appeler une intervention de type chirurgical sur elle. Ah, c'est une abduction, tu veux dire ? Oui. C'est un prélèvement qu'ils ont fait ? Oui. D'accord, un prélèvement physique d'un bout douce. C'est ça, mais quelque chose n'a pas fonctionné correctement, comme si ça n'avait pas été prévu de cette façon-là au départ. Et pour... je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme s'il y avait eu une... c'est au niveau des grilles qu'il s'est passé quelque chose. C'est comme s'il y avait eu une incompétence de certains d'entre eux qui a généré ce dommage-là qui n'aurait pas dû être. D'accord. Ben voilà. Bon, est-ce que tu vois qu'il en reste un traumatisme là de cette partie ? Oui, sur l'élémental du corps physique. Il y a une plaque traumatique sur la zone concernée. Donc on élimine ça avec les échos, les résonances. Tu vois autre chose ? Oui. Non. Allez, 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, et puis à tout hasard, hein, comme je dis, j'essaie tout, mais je ne promets rien, on va ensemencer, on va mettre des cellules souches, donc pour que les os éventuellement repoussent. Ça ne coûte rien d'essayer. Hein. Ah oui. Voilà, tu vas arroser tout ça avec de l'eau primordiale. Et puis pour accélérer, fleur de vie, graines de vie et double muscate, puisqu'on sait que c'est un pouvoir structurant, accélérant et multiplicateur avec la graine de vie. Oui, c'est voilà. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Hein, après. Très bien, très bien. Donc, je stabilise, sécurise et pérennise, c'est ça? Oui. Alors, donc... par rapport à son énergie, avec son mari, donc, elle se sent pompée de son énergie lorsque son mari est là le week-end. Qu'est-ce qui se passe alors ? Parce que lui-même n'a pas retrouvé son propre équilibre intérieur. Donc, ça crée une fuite d'énergie chez lui et qu'il vient compenser en la prenant chez sa femme. Et dans son entourage, je suppose. Oui. Hein? Bien. Bon, son mari sera invité avec tous les autres invités hein, pour prendre conscience de son problème et faire le travail s'il le veut. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est la partie qui lui incombe. Très bien. Donc, le fait qu'elle soit née à 10 mois, qu'elle n'ait pas été désirée, voilà. Bon, c'est l'élément qu'on pouvait. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est parce qu'elle a été placée d'autorité sur la lignée qui était, cette lignée était sous surveillance et sous contrôle partiel des montes. Donc elle a été placée d'autorité par facilité et d'interférence sur la lignée, ce qui a généré des réactions de refus des consciences incarnées. Des refus de rejet en même temps. Non. C'est ça, parce qu'elle a été placée là d'autorité, en fait. Et puis ça a résonné, je suppose, avec le sentiment originel de rejet ? Oui. Hein ? C'était en lien ? D'accord. Le syndrome du jumeau perdu, alors regarde, est-ce que c'est vrai ou pas ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a l'impression d'être seule ? Qu'elle est née sous le nom de Frédéric et que finalement on lui a accordé le nom de Nathalie ? Quel sens ça, tout ça ? Qu'est-ce que tu vois, toi ? Il n'y a pas de jumeaux, mais ça a été, c'est lié au fait qu'il y a eu deux essais successifs de placer une conscience dans la lignée. Le premier essai a été infructueux et elle est venue ensuite en tant que deuxième essai qui a réussi. D'accord. Mais est-ce qu'elle était aussi dans le premier essai ou c'était une autre non. conscience ? C'était une autre non, conscience ? C'était une autre. D'accord. Il okay. y a les mémoires de ce premier essai qui étaient toujours là. C'est comme quand tu... quand tu passes juste derrière quelqu'un d'autre dans un lieu et dont tu ressens encore la présence de la personne précédente. C'est un peu la même chose.
Donc ça a été interprété comme étant un jumeau, quoi, ou jumelle. Ouais. Oui, parce que cette présence était très prégnante encore, enfin les énergies en tout cas. Bon, est-ce qu'il en reste quelque chose de cette énergie, de cette information? Oui, il en reste des mémoires qui sont encore là, flottantes. Bon, on va toutes les éliminer avec les échos, les résonances. 1, 2, 3, ce sera réglé. C'est fait. Tu vois autre chose? Non. Bien. Alors, elle culpabilise pour ses enfants et son mari, pour que ce qui lui arrive a des répercussions sur eux. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, c'est des programmations pour la garder dans un certain état fréquentiel, hein, où elle reste manipulable, voilà. Malléable. La culpabilité n'est jamais naturelle. Hein. On n'aura jamais à ressentir de la culpabilité. Il en reste quelque chose ou pas? Ah oui, il en reste des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques. Alors, on élimine. Avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Donc, en 2018, quand elle a vu les degrés au pied de son lit, évidemment, elle n'a pas rêvé. Mais c'est ce qui a été vu tout à l'heure. Elle n'aurait pas dû les percevoir. Dû les voir. Mais les programmations occultantes s'effacent au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. D'accord. Ces messages à l'oreille gauche qu'elle a, donc, qui sont souvent prédictifs, que ce soit des décès, ceci, cela, d'où ça vient ces messages? Ça vient de l'astral. Ça vient des entités de l'astral, de type démoniaque, qui sont là, qui rôdent autour d'elle et qui viennent lui parler à l'oreille. Et qu'est-ce qui fait que finalement, c'est souvent, ça se réalise? Parce que c'est dans leur... c'est toujours dans l'intérêt de ces entités-là. Donc, quand elles le font, c'est toujours en lien ou par rapport à elles, à ces entités-là, pour maintenir un équilibre qui soit correct pour elle. C'est toujours lié aux fréquences. Il va s'agir toujours qu'elle soit dans une certaine bande de fréquences, donc par rapport à ces entités-là, ni trop haute, ni trop basse. Tu es dans un équilibre qui les arrange, eux, c'est ça, par rapport à leur fréquence. C'est ça. Donc, parfois, ça peut être empêcher ou prévenir avant qu'un événement déséquilibrant ou qui puisse être vraiment déséquilibrant émotionnellement se produise. Ça pourrait la désynchroniser par rapport à lui, quoi. C'est ça. Elle viendrait, il y aurait cette potentialité qu'elle se décroche de ces entités-là. Et quels bénéfices ils en tirent, eux? Eux, ils viennent se nourrir sur elle. L'énergie, hein, voilà, émotionnelle. Oui. Voilà, ok. Mais ce qui les intéresse, c'est que ça reste dans une bande de fréquences donnée. D'accord, c'est ça. Si elle quitte la bande de fréquences, ils ne peuvent plus être alignés et donc avoir accès à son énergie. Hein, exact. Voilà, c'est pour que ce soit bien compris comment ça fonctionne, tout ça. Alors, autre point, le somnambulisme. Donc, toute petite, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on l'a vu. Hein, donc, c'est voilà, on a compris, on ne va pas y revenir. Le fait qu'elle soit précautionneuse sur le plan sexuel, toujours en vigilance, à quoi c'est dû, ça? Il y a des sortes c'est comme des sortes de garde-fous qui sont liés à des mémoires. Des sortes de garde-fou, de signaux d'alarme de l'élémental du corps par rapport à ce qui s'est produit quand elle était en état modifié de conscience lors des abductions. Qu'est-ce qui s'est produit? Il y a intervention sur sa sphère féminine, matricielle et sexuelle. D'accord, tu veux dire qu'il y a eu des fécondations, c'est ça, à travers des actes sexuels? Oui. C'est les mentes? Oui. D'accord, donc du coup, c'est resté une empreinte et avec
une forme de vigilance. Exact. Est-ce que tu vois qu'il est inscrit une phobie pour elle au niveau sexuel ou pas? Ou quelque chose comme ça qui va limiter finalement sa relation à la sexualité? C'est pas une phobie, c'est une sorte d'alerte, hein, d'hypervigilance et de retenue, quelque chose comme ça, qui reste là comme une sorte de signal d'alerte. C'est encore là? Il y en a les mémoires, oui, les habitudes de fonctionnement. Il y a les traumatismes avec ou pas? Associés, oui. Bien, alors les échos de résonance, on les élimine tout en même temps. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, donc maintenant elle va se reconnecter, on va rester en conscience avec la connexion de sa source pour retrouver ce sentiment de sécurité intérieure, de tranquillité, de paix, d'invulnérabilité, et tout en ressentant qu'elle a maintenant la main sur sa vie, qu'il ne peut rien arriver, qu'elle n'a pas accepté ou qu'elle n'a pas choisi. Hein ? Elle ressent en elle le sentiment de sécurité, que ce soit sur le plan sexuel, bien sûr, et tous les autres plans. Une stabilité, une sécurité intérieure, invulnérabilité, intouchabilité. Oui. Voilà. Elle peut rester maintenant libre et légère en toutes circonstances, sachant que, et se souvenant et ressentant qui elle est. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Très bien. Bon, pour les maisons, on verra tout à l'heure quand on traitera du domicile. Maintenant, je veux que tu regardes son corps mental, et que tu vois toutes les programmations limitantes avec les croyances qu'il a développées à partir de ça. Il y a une sorte de voile pesant, lourd et opaque sur tout le corps mental qui vient la limiter. C'est pesant, ça l'empêche de fonctionner en pleine capacité énergétique et physique. Et ça vient limiter ses perceptions aussi. Quelles sont les croyances limitantes qu'elle a développées à partir de ça? Qu'elle n'arrive pas à se débarrasser toute seule de cette sorte de voile opaque et pesant et limitant. Ce qui est en partie vrai compte tenu de l'ancienne situation. Oui. Mais sur cette nouvelle ligne de temps, maintenant, avec tout ce qui a été vu, compris, entendu, intégré, qu'en pensent maintenant toutes ces autres parties? De la perspective maintenant d'où elle regarde ces programmations-là, elle prend conscience que ce ne sont que des programmations et qui sont agissantes uniquement dans une certaine bande de fréquence. Et qu'elle, elle a la possibilité de se déplacer beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et que même elle peut dégager ces programmations-là de sa réalité. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire maintenant. Hein, regarde ce qu'il en reste. Il reste des habitudes de fonctionnement et des programmations associées avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Avant de continuer là, j'aimerais que tu reviennes à un point qu'on a traité, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout par rapport à son poids. Je veux simplement que tu invites son élémentaire à faire ce qu'il faut pour qu'elle trouve un poids normal. Donc, il régularise, bien sûr, les systèmes d'évacuation, de circulation, le système endocrinien, qu'il fasse tout ce qu'il faut pour qu'elle retrouve un poids qui soit satisfaisant pour elle. Oui. Voilà. Tout enregistré? Oui, c'est fait. Allez, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Donc maintenant, tu reviens sur l'ancienne ligne de temps et je veux que tu regardes son corps émotionnel, toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a une sensation d'enfermement qui génère et de pesanteur, qui génère de la frustration, de la colère, de la rébellion et qui à son tour, en cascade, génère de la culpabilité. Il y a une anxiété générale qui est là en arrière-plan, lourde et pesante, associée à une sorte de climat de peur, une sorte de voile là, qui se déploie dans tout le corps émotionnel. Hein.
Donc, ça génère une basse estime d'elle-même et beaucoup de fuite d'énergie. C'est bon. Bien. Alors, on va regarder du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elles et comment s'expriment-elles? Il y a l'humiliation de se sentir coincé, piégé, écrasé dans cette condition d'incarnation-là. Il y a la partie physique qui se sent trahie par le soi supérieur d'avoir été laissé là dans ces conditions d'incarnation, avec le ressenti de l'injustice de ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas le cas, bien sûr, hein, si tu le précises. Non, ça n'est pas le cas, mais c'est le ressenti de la partie physique. Voilà. Hein. C'est important de le dire parce que ça peut être mal interprété après. Il y a le ressenti de solitude, de décalage avec les autres et de rejet aussi. Pour fonctionner dans l'incarnation, avancer malgré tout dans l'incarnation, elle s'est créée comme une sorte de sphère de protection autour d'elle, dans lequel elle peut évoluer. Ça crée une sorte d'espace, on va dire sécurisé, dans lequel elle peut évoluer. Mais pour créer la structure de cet espace-là, qui était venu s'installer en dessous des couches de programmation des interférents, elle a dû, pour en établir la structure et la renforcer, elle a dû puiser dans sa propre énergie vitale, ce qui a eu pour conséquence de faire diminuer cette énergie vitale et de la couper en grande partie de ses ressources intérieures. Mais c'était quand même pour elle la seule façon qu'elle avait trouvé de fonctionner, puisque ça lui permettait d'avoir cette sensation de contrôle au moins dans cette sphère de protection qu'elle avait installée autour d'elle. Et une fois qu'elle avait commencé ce processus de fonctionnement, c'est une sorte de fuite en avant avec pas d'autres possibilités de fonctionner. C'est-à-dire, une fois le processus de fonctionnement engagé, c'est comme une sorte de fuite en avant. Et comme elle perçoit qu'il n'y a pas dans cette fuite, elle est bloquée en quelque sorte dans cette fuite en avant. Ça génère de la frustration et de la colère contre elle-même. Donc, au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, ça vient réduire en fait son champ d'action, puisque à chaque fois, ça fait comme un effet boule de neige. Elle est obligée de renforcer et toujours dans la même direction, toujours ses protections, et donc ça lui fait perdre de l'énergie vitale au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Et donc perdre de plus en plus le contact avec son potentiel intérieur. C'est bon. Bien. Alors je rappelle qu'il s'agit bien sûr là de l'enseignement de temps, hein, pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et des tenants et des aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose de tout ça? Il reste des habitudes de fonctionnement, des programmations aussi de fonctionnement, avec des empreintes traumatiques, écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, donc, je veux qu'elle prenne conscience par son intention et son attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque de sa connexion avec la source. Et ça en active toutes les connexions, les ressentis, les sentiments, les émotions, etc. Elle ressent tout en elle. Oui. Voilà. Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Et chacune des particules à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Nathalie maintenant? Maintenant, elle est apaisée et tranquille sur sa base de sécurité. Ça lui permet enfin de se poser en toute tranquillité, et ça permet à
un bien-être et une joie intérieure de se déployer à l'intérieur d'elle-même. Ça lui permet de ressentir enfin la satisfaction d'être là présente dans l'instant présent et de ressentir du plaisir à être présente là dans l'instant présent et dans l'incarnation. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de la savourer. Oui. Elle installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir cet état, toutes ses sensations pleinement, même si elles sont là maintenant, dorénavant, en permanence. Oui. Elle rajoute ses programmations à toute sa bulle de réalité, dans chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, etc., etc. Tout ce qui constitue le tissu de son expérience en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment se passe cet événement que nous appelons communément la séparation. Comment ça se passe pour elle, qui se vit bien souvent comme un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient ses manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au centre de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités et de potentialités et de cette existence en tant que Nathalie ? Il y a de l'intérêt, il y a de la pétillance, il y a de la joie d'anticipation, d'expérimenter toutes ces situations qui se présentent là devant elle. Du plaisir et de la joie d'anticipation. Voilà, c'est ce qui devrait être ressenti pour toute incarnation humaine. Mmh. Ah. Ça la rendrait effectivement intéressante et productive et on ne chercherait pas à se barrer. Bien, alors qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement, de rajouter tout ça à sa programmation, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement jusqu'au plan biologique hein, de toutes ses parties, donc son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent maintenant dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place partout où elle se trouve, quoi qu'elle fasse, dans le plaisir et la légèreté. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences passées, quels que soient les résultats futurs, des passés présents, peu importe. Elle sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile, que tout a sa raison d'être et est une belle occasion d'apprentissage, de progression, d'expansion et même d'appréciation. Oui. Même ce qu'on appelle le négatif, ce qu'on appelle l'erreur, etc. Tout a sa fonction utile. Et elle passe donc par chacune des vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme de cet état d'esprit, cet état d'être, ce ressenti, de ces énergies, de cet amour qu'elle est. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment vois-tu notre Nathalie maintenant ? Il y a son énergie vitale qui pulse à l'intérieur d'elle-même. Elle ressent maintenant la puissance de son énergie vitale. Elle en prend conscience, elle la ressent physiquement. Ça lui apporte de la pétillance, du plaisir de ce ressenti-là. Une profonde joie intérieure. Puisque ça, il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent maintenant pour elle, maintenant qu'elle ressent cette énergie vitale là qui est la présente, qui pulse à l'intérieur d'elle. Ça lui apporte du bien-être, du plaisir d'être là dans l'expérience de l'incarnation.
Très bien. Et elle remarquera en ce qui concerne le côté professionnel qu'elle aura les intuitions et les synchronicités nécessaires en étant dans cet état. Oui. Il n'y aura pas à s'en faire, les choses à se faire naturellement. Dans la facilité, la grâce et le plaisir, comme je dis toujours, et c'est ça la vraie vie. Oui. Bon, alors on va regarder maintenant les invitations. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Oui, bien sûr. J'arrête. Donc, nous en étions aux invitations, hein? Oui. Alors, on invite, bien sûr, elle invite, hein, je dis on, en fait, c'est elle, hein, c'est comme tout ce qu'on fait, c'est la personne qui fait, bien sûr. Hein. Donc, son mari et les enfants, bien sûr, sa belle-fille, les petits-enfants, sa mère, ses frères et sœurs et leur famille, ceux qu'elle appelle la famille d'âme, hein, tous les amis et personnes rencontrées au cours de sa vie, le chien Memphis, mais ça sera pour la douche, et on va dire, pour n'oublier personne, tous ceux à qui elle pense. Voilà. Hein? Comme ça, on est tranquille. Oui. Voilà. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de profiter de cette opportunité. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Voilà. En particulier son mari. Donc, il est là, je suppose. Hein? Oui. Voilà. Donc, c'est important là qu'il comprenne donc, les enjeux, tout ce qui se passe. Hein, qu'il envoie tous les tenants et les aboutissants, qu'il prenne l'information. Oui. Il réagit comment? C'est comme s'il prenait des livres dans une bibliothèque. C'est comme même s'il avait plusieurs bras. Il les prend les uns après les autres. Ça veut dire quoi? Qu'il a soif de connaissances maintenant, c'est ça, tu veux dire? Il essaie de s'informer? Oui, et ça lui apporte une stabilité intérieure. Très bien. Donc, il a compris qu'on lui apporte une merveilleuse occasion maintenant de pouvoir se libérer, de faire tout ce qu'il faut, de pouvoir être en harmonie avec lui-même, sa vie, et pourquoi pas dans son couple. Mais ça, bon, oui. C'est pas à nous de décider, ils verront ce qu'ils font en bref. Voilà. Donc, puisque tout le monde accepte choisit de faire le travail, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce avant de commencer? Oui. Puisque j'ai leur permission, en leur nom, je vais pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Donc sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans toute ligne de temps, dans tous les plans de réalité, dans tous les plis et replis d'espace-temps, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, on ouvre, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Chacun se place dans une bulle christique de protection, secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, donc à l'instar de ce qu'a fait Nathalie, pour elle-même, adapter bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Puisqu'ils ont accès à toutes les informations maintenant. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Très bien. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bon, alors du côté des désincarnés, elle a nommé son père. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est sur une sorte de plan intermédiaire, dans une sorte de zone d'attente. C'est assez mouvant et inconfortable. Une zone intermédiaire entre deux plans plus stables. Bon, bien que je n'ai aucun doute, on va vérifier son ADN éthérique et vérifier s'il s'agit bien de lui. Qu'il s'agisse bien de lui, pardon. Oui, c'est lui. Tu peux communiquer avec lui? Oui. À
Alors, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie, et demande-lui s'il veut un coup de pouce. Oui. Alors, nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui ? Il y a une montée en fréquence qui lui permet de passer au plan suivant, qui est beaucoup plus stable, lumineux et léger. Bien, demander ce qu'il veut faire à présent, est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, sécurité, souveraineté, ou même choisir une incarnation, après tout. Remonter à la source. Très bien. Alors, pour ce faire, pour qu'il remonte en toute liberté, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille et à tous ceux qu'il a aimés sur ce plan. Ah, il y a l'énergie du soulagement qui est là. Du soulagement et du remerciement à celle qui a été sa fille pour lui avoir ouvert la porte sur ce plan-là, ou permis d'ouvrir la porte sur ce plan-là. Il y a une onde d'amour puissante qui est de nature universelle et qui traverse les plans jusqu'au plan physique incarné. Quelque chose de stable, de puissant, mais à la fois de très léger, et qui vient comme renforcer l'énergie vitale. Et puis il remonte. Eh bien, nous le saluons. Oui. Bien, alors on va regarder maintenant la grand-mère maternelle. Alors elle aussi, on regarde sur quelle porte tu la vois, dans quelle situation. Elle est dans une sorte de salle. Mais c'est un... Ça sent le départ, ça, non ? Comment ? Je dis, ça sent le départ, ça sent l'incarnation. Non, c'est une sorte de salle. C'est comme si c'était une sorte d'espace qu'elle avait créé. Elle, c'est elle qui l'a créé, cet espace. C'est elle qui a créé les murs de cette salle. D'accord, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'elle y fait dans cette salle qu'elle a créée ? Ça ressemble à ce qu'elle a connu sur le plan physique incarné, avec des points de repère. Quelque chose qui vient la stabiliser. Parce qu'elle était dans une sorte d'errance, comme flottant dans l'espace sans repère. Donc elle s'est créée elle-même cette sorte de salle avec ses propres points de repère pour venir se stabiliser ou du moins trouver une certaine forme de stabilité dans cette zone-là. Mais ça n'est que temporaire puisque c'est alimenté avec sa propre énergie. Donc elle est en manque d'énergie. Elle est encore reliée en partie au plan terrestre puisqu'elle en est obligée pour pouvoir retirer de l'énergie du plan terrestre pour venir l'alimenter elle-même, pour venir alimenter cette création-là. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle ? Oui. Alors, tu t'approches d'elle et donc également, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr, qui nous envoie et demande-lui si elle veut un coup de main. Oui. Bien, alors là, connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il y a une montée en fréquence qui permet de rompre le cercle. C'était comme une sorte de cercle vicieux de circulation d'énergie qui venait du plan physique et qui pour venir alimenter donc cette création-là et dans laquelle elle se retrouvait coincée, bloquée.
Donc, ça a brisé ce cercle-là et ça lui a permis de se placer au-dessus et de flotter en sécurité et stabilisé maintenant. Bien. Alors, demandez ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, sécurité et souveraineté ? Elle remonte à la source. Alors, dis-lui qu'il est nécessaire pour ça qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui. Bien. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Nathalie et à tous ceux qu'elle a aimés sur ce plan? Oh, il y a de l'énergie pétillante qui redescend vers le plan terrestre. C'est de l'énergie de plaisir, c'est comme des bulles de champagne, de plaisir, de la libération, d'amour aussi, de joie, de bien-être. Elle fait redescendre toute cette énergie-là sur toutes les consciences qu'elle a connues et ou croisées sur le plan terrestre. Et puis elle remonte. Eh bien, nous la saluons. Oui. C'est bon. Bien, on revient sur Nathalie. Oui. Alors, on va faire l'inventaire de tous les liens toxiques, parce que je suppose qu'il y en a. Oui. Et on va les couper et dissoudre toutes les racines. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, puisque tu envoies l'autre. Il y en a encore en arrière-plan, oui. Allez, idem. 1, 2, 3. Oui. Envoies-tu d'autres ? Il y a des échos et des résonances derrière. Allez, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Autre chose ? Non. Pas de réminiscence ? Non. Bien. On va couper tous les liens de ces noms et prénoms avec le système matriciel de la fausse matrice, bien sûr. Donc, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3 et dissolution des racines. Oui. Envoie d'autres ? Non. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Donc du sang ou dans les dents du sang, ou prélever et stocker quelque part. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtil et physique, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées, etc. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace mort au ciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir maintenant et apprécier pleinement, et toi aussi si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de l'ambition respective, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace mort au ciel.
Oui. Pour chacune, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double limiscate activée. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant et l'applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui. Elle le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Bien. Maintenant, nous allons revenir sur son ADN. J'aimerais que tu me dises, avec ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 7 de connectées et 5 d'activées. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes d'information et d'activation, de nouvelles lignes. Ça génère de nouveaux croisements de lignes de temps. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15, est-ce que tu vois des effets rapides? Et lesquels? Oui, des sensations de bien-être, d'allègement, de liberté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes? Il y a des phases pendant la métabolisation où le mental égo est dans une sorte d'incertitude, de mal-être, d'anxiété, et il se raccroche au connu, il se raccroche au passé. Donc c'est comme s'il y avait des éléments du passé qui se recréaient, surtout d'un point de vue émotionnel. De l'angoisse qui est susceptible de revenir par vague, du mal-être. Ça correspond à ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et les nouveaux ne sont pas encore complètement installés. Donc c'est ça qui génère ces zones de vulnérabilité, d'insécurité pour le mental égo. Bon, on va lui donner un coup de pouce et puis adoucir tout ça. Tu vas aller dans le futur. Voilà, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien, stable, équilibrée. Elle ressent son énergie vitale puissante, claire, lumineuse. Et qui fait monter sa flamme. Vitale, qui est là, puissante, lumineuse, brillante, et qui s'expanse. Ça lui apporte une joie, une sensation de joie intérieure profonde, et le plaisir d'être là dans cette incarnation, dans l'expérience de l'incarnation. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, voire de le déguster. Oui. Elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient le nouveau repère, ça devient le connu, la nouvelle référence. Et même des habitudes qu'elle programme, déjà ici et maintenant, et stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne Nathalie, puisqu'elle écoute les vidéos, elle sait que la métabolisation, ça comprend certaines conditions, hein. Donc il te suffira de rester confiante, enfin bon, voilà, puisque tu le sais, je ne vais pas me répéter. Et maintenant, on va passer au domicile. Alors, donc, en ce qui concerne le domicile, il y en a deux, en fait, il y a celui dont laquelle elle est aujourd'hui, en ce moment, donc dans le domicile des grands-parents de son mari, hein, voilà. Donc, et puis il y a l'autre maison donc, qui, du 1789,
voilà, qu'elle a un projet d'habiter. Donc, on va travailler sur le domicile des grands-parents. Et puis, sa partie subliminale fera le travail dans l'autre maison. D'accord ? Oui. Voilà. Donc, nous, on s'occupe de celle des grands-parents, du mari. Donc, comment est-ce que tu la vois, cette maison ? Il y a des mémoires qui sont enclavées entre les murs et qui sont comme bridées et qui cherchent à s'exprimer et à sortir. Mais pour l'instant, elles sont là, enclavées dans les murs. C'est à l'origine des phénomènes extrasensoriels qu'ils perçoivent, qu'ils subissent. Oui, parce qu'il y a des portes ouvertes vers d'autres dimensions. Ok. Jette un œil dans les sous-sols, regarde s'il reste s'il y a des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Alors, pas qu'ils viennent l'impacter, elle. Elle, c'est surtout, elle est en résonance avec le lieu par rapport à sa situation d'interférence précédente. Ok. Mais tu veux dire qu'il y en a qui pourraient impacter les autres membres de sa famille ? Oui, ça pourrait. Mais elle, alors, par rapport à elle, ça fait comme une caisse de résonance. Et par rapport aux autres consciences, c'est plus ou moins... suivant l'état des résonances avec la situation énergétique de chacun. Donc c'est différent en fait pour tout le monde. Ben oui, bien sûr. Donc ceux qui sont concernés en tout cas prennent l'information hein, et ils vont l'intégrer dans leur travail. Ils font ce qu'il faut. Hein, ils prennent les informations aussi dans notre travail à nous, dans les antérieurs. Hein, ils savent ce qu'il faut faire. D'accord ? Oui. Okay. Avant de faire le nettoyage, regarde juste, jette un œil sur l'autre maison qu'ils vont habiter. Voilà, et regarde comment tu la vois. Après, sa partie subliminale fera le travail. Hein. Comment est-ce que tu la vois, cette autre maison donc, de 1789 Là, il y a quelque chose de compressé. Il y a comme plusieurs couches de mémoire compressées. Et qui sont comme des feuilles de papier, des mémoires qui sont comme des feuilles de papier compressées les unes contre les autres. Et quelquefois, pour faire l'analogie avec les feuilles de papier, ça vient se froisser, ça vient s'interpénétrer les unes dans les autres. D'accord. Donc là aussi, c'est plein de phénomènes, je suppose, oui. Paranormaux. Hein, oui, parce qu'il y a des passages et il y a des failles d'une dimension à l'autre et d'une mémoire à une autre. Donc, sa partie subliminale tiendra compte de ça et elle a les informations. Regarde simplement les sous-sols. Est-ce que pour celle-ci, tu vois des. Au niveau géobiologique, énergétique ou ésotérique, est-ce que tu vois des choses ? Il y a des croisements telluriques dessous. D'accord. Bon, bah là, par contre, tu vas faire une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies n'y passent plus, avec des évacuations qui vont. Emmener les énergies loin de la maison et loin des autres habitations pour ne polluer personne, afin qu'elles ne restent pas stagnées au-dessous. Voilà. Oui. Donc tu programmes cette dalle pour être indestructible et stable. C'est fait. Voilà. Et sa partie subliminale va faire le reste. Donc on revient sur cette maison des grands-parents. Elle va faire une puissante tornade et tout nettoyer à l'intérieur, autour, dessus, y compris les terrains, hein. La mémoire des murs, elle nettoie tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Y compris les sous-sols, y compris les caves, greniers, s'il y en a un. Elle nettoie tout partout. Oui. Ne rien négliger. Très bien. Et maintenant, elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double nimbuscade activée. Oui. Et je rappelle pour l'information que les fleurs de vie, graines de vie et double muscate, c'est en fonction de sa propre énergie. Donc c'est différent pour chacun. Hein, c'est bien elle qui le crée, c'est en fonction de sa propre énergie et pas de la nôtre. Oui. Soit bien compris. Hein. Donc elle stabilise, sécurise et pérennise tout ça. Oui. Alors sur son compteur qui est un. Je ne sais plus si elle a un LinkKey. Il y a un LinkKey sur celui-là ?
Oui, c'est un Linky. Sur le compte en Linky, tu crées un multi, l'autre aussi. Donc, celle-ci, mais pas l'autre. Hein. De toute façon, son partie subliminale fera ce qu'il faut. Donc, sans compte en Linky, tu fais un multicouche que tu stabilises, sécurises. Oui. Voilà, par-dessus, un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double muscat activé, tu sécurises. C'est fait. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et qui produisent par ailleurs un puissant effet Niagara, qui donc rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, paisible, avec un son et un parfum qui se module et qui sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique, elle également, et tous les autres membres de la famille également, s'ils le désirent. Oui. Voilà. Et maintenant, nous allons programmer les protections des différents états de conscience et on sécurise également. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance et on sécurise. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son donné mental qui s'ébroue et qui se réjouit. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle met tout ce qu'elle veut réaliser, concrétiser, manifester, que ce soit professionnel, familial, enfin bon, tout ce qu'elle veut. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. C'est fait. Autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective. Et on sécurise. Oui. Nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les bouts, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. À présent, on installe la programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, et je ne dis pas que c'est maintenant, elle quitte son corps en toute sécurité, liberté, autonomie, souveraineté. Oui. Donc, elle décide de remonter à la source ou continuer son chemin. Là, tu stabilises, sécurises et pérennises. C'est fait. Et pour manifester, voilà, rapidement, enfin en tout cas, accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait, donc pour toute la séance, pour chacun des points, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et nous demandons au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à cette partie physique ? Oui, c'est la partie physique qui active cette connexion-là, qui s'y connecte et qui l'active par son intention, ce qui crée à son tour l'alignement et la connexion. Et aussi par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion. Bien, comment est-ce que tu vois son âme ? Elle s'est allégée de tout ce qui était trop lourd, dense, sombre. Elle s'est comme élevée. Elle est légère, pétillante, libre à présent. Sa partie subliminale ? Elle s'est réénergisée, rapprochée de la partie physique. Elle crée les connexions avec les différentes parties d'elle-même. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Nathalie, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, donc, son chien Memphis est invité, évidemment. Hein.
Chacun trouve son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, composée de son, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double demi-sphère activée. Oui. Connectée au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particule de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Nathalie avant la séance et quelle était la présent? 43 et maintenant 168. Parfait. Comment tu vois le toutou là? Ça pétille, hein. Ça pétille de couleurs tout autour de lui. C'est un vivant, c'est comme un espace de couleurs vivant dans lequel il vient se régénérer. Très bien, voilà, ça va lui faire du bien. Bon, et bien chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. C'est bien. Ah. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Comment te sens-tu? Bien. Bon, allez, à nous Nathalie, tu peux remettre le son. Eh bien, belle expérience, merci à vous deux. Merci Emmanuel, merci Pascal. Alors ça t'a parlé tout ça? T'as senti des choses? Raconte-nous. Ah oui, déjà les douleurs dans la cage thoracique, l'estomac, et puis par rapport au fait d'être une humanoïde féminine qui habitait dans la nature, sous une cascade, c'est moi ça. Je suis bien que dans l'herbe, moi. En train de faire du jardinage, et puis l'eau, contact avec l'eau. Et vraiment, c'est impressionnant parce que sur plein de choses, c'est tout à fait ça, quoi. Sur toutes les parties désagréables de ma vie, ben, c'est ce qui ressort sur... c'est exactement ça, quoi. C'est bluffant. Voilà, maintenant tu comprends pourquoi tout ça. Hein, ça donne, ah oui. Je suppose que ça donne du sens à tout ça. Hein. Oui, puis je sais pourquoi il me manque un bout de mâchoire. Ça, tu ne t'y attendais pas, celle-là. Ah, pas du tout. Hein. Mais franchement, ça a été une interrogation parce que pendant plusieurs années que ça a duré, que je sortais de la maison et que personne ne savait où j'allais alors que j'étais petite. Hein. Donc, j'ai des réponses à plein de choses. Maintenant, tu sais. Merci. Bon, tu connais mon conseil, tu as l'habitude de voir mes vidéos. Hein, donc, revoilà, tu sais que, voilà, tu sais en quoi c'est bon. Oui. Donc, je peux me répéter. Voilà, et puis j'espère qu'on aura des nouvelles. Tu nous diras comment les choses se passent pour toi. Hein? Oui, tout à fait. Voilà, donc tu veux toujours qu'elles soient floutées? Ben oui, à cause oui, de... Oui, hein, c'est par rapport à ce que tu as dit. Hein. Ouais. Ok. Ils ont passé de moi pendant une heure, hein. C'est terrible. Bon, laisse faire le travail, il y a des choses qui vont bouger, ben, t'inquiète pas. Oui, non, mais ça peut que aller mieux. Bien sûr. Donc, tu as bien compris, hein, les attitudes productives, hein, oui. Surtout pendant la métabolisation. Je le répète jamais assez souvent, mais voilà, c'est important d'avoir la bonne attitude et de bien comprendre ce qui se passe. Ouais. Pas de souci. Merci. Merci à toi. Merci de la confiance que tu nous as accordée. Merci à Emmanuel pour... pour son travail. Ouais, pour tout ce qu'il est. Merci. On va te souhaiter une bonne métabolisation. Merci beaucoup et bonne journée. Et on attend des nouvelles. Allez. Merci. Pas de problème. Voilà. Je vous en donnerai. Alors.